Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et ce trafic va pas forcément très bien. Alors vous le voyez, on a deux voire même trois voyants qui est le voyant moteur, la petite clé à molette et le voyant stop avec injection à contrôler. Alors le véhicule, la panne s'est dégradée quand je passe la valise au-delà du fameux problème de la pédale que j'ai. J'ai un souci de pression de turbo. Et surtout, j'ai un problème de colmatage de filtre à particules. Donc là, je vais vous montrer comment on peut le vérifier avec une valise diagnostique. Donc là, j'utilise la iCarSoft CR Ultra qui fait partie de ma sélection d'outils diagnostiques que vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver sur notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr. Donc c'est parti, moi je pars diagnostiquer ça et vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est important de regarder pour vérifier si le filtre à particules est bien colmaté. Donc pour vous donner un petit récapitulatif sur la panne de ce trafic là, c'est un véhicule qui fait 5 km par jour, donc tout ce qu'il ne faut pas faire sur un véhicule diesel, bien entendu. Il a 327 000 km, le FAP s'est colmaté. Bon, je vous avoue que j'attendais un petit peu qu'il se colmate parce que j'avais des tests de produits à faire et c'était le bienvenu. J'ai quand même mis un écho 10 000 pour voir si ça allait faire quelque chose. Ça n'a absolument rien fait, le filtre à particules est trop encrassé, il est trop colmaté. Donc là on est à l'étape suivante qui va être d'utiliser un produit plus puissant et qui va venir s'injecter directement dans la zone à travailler. Mais avant ça, je vais quand même vous montrer comment on détecte un FAP bouché. Alors bien évidemment, je ne peux pas lancer de régénération de filtre à particules avec ça, puisque le FAP est tellement colmaté qu'en fait le véhicule se met en défaut et me refuse la régénération de filtre à particules. Donc là, il va falloir qu'on nettoie le filtre à particules comme on peut. Donc aujourd'hui, ça va être des tests produits. Et ensuite, une fois qu'on a nettoyé, on va pouvoir à ce moment-là lancer une régénération de filtre à particules. Donc là, je vais dans injection. Et là, vous allez voir que je vais avoir des codes erreurs liés au filtre à particules. Voilà, filtre à particules colmaté. Alors, ça peut aussi venir d'un problème de capteur de pression différentielle du filtre à particules. C'est pour ça que maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour aller le vérifier. Donc, on va dans lecture de données. Et là, on va aller chercher filtre à particules. Donc là, on a débit de gaz dans le filtre à particules. On a la pression relative au filtre à particules. On a la pression différentielle du filtre à particules. Et on a la masse de suie dans le filtre à particules. Ça, c'est des informations qui vont permettre de pouvoir vérifier si oui ou non le filtre est réellement colmaté ou si c'est un problème de capteur. Donc là, on lance. On voit le débit de gaz dans le filtre, donc pour l'instant qui est très léger. On démarre le véhicule. On voit que le débit de gaz augmente, ce qui semble logique. Et là, on voit la pression différentielle dans le filtre à particules qui est à 63. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on doit être plutôt aux alentours de 20-30 maximum au ralenti. Et surtout, si on met du gaz, vous allez voir qu'immédiatement, ça va monter. Voilà. Donc ça, c'est un très très bon indicateur, la pression différentielle du filtre à particules. Et par exemple, hier, quand le voyant est revenu, je stagnais à 93-99 au ralenti. Alors là, je ne vais pas faire chauffer le véhicule parce que pour le test produit, j'ai besoin que le filtre à particules soit froid. Vous avez également la quantité de masse de suie dans le filtre à particules qui est également un bon indicateur. Et là, je vais vous montrer que même si j'essaie de faire une régénération du filtre à particules, eh bien bouché, vous allez voir, il va me refuser tout bonnement. Voilà, régénération de filtre à particules, ok. Donc là, il me donne la procédure, oui, blablabla. Voilà. Et là, il me dit échec, régénération, filtre à particules trop chargé. Donc là, en fait, c'est trop dangereux de lancer une régénération. C'est-à-dire que la bagnole pourrait tout simplement prendre feu parce que le FAP pourrait rentrer en fusion. Donc les amis, on rentre le véhicule à l'intérieur et je vous montre le fameux produit qu'on va tester aujourd'hui. Et peut-être qu'à l'issue de cette vidéo-là, il sera validé sur notre boutique. Pour l'instant, je ne l'ai pas testé. Je ne sais pas de quoi on parle. Donc c'est parti, on le découvre ensemble. Bon, ça y est, on se retrouve dans le garage et maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va tester. Alors, vous connaissez tous certainement l'Eco 10000 de chez Mecaron qui est également vendu pour le filtre à particules, mais nous on ne l'a pas testé sur le filtre à particules. Nous on l'a testé en nettoyant injection et on l'a validé en nettoyant injection. On n'a jamais validé ce produit-là pour nettoyer les filtres à particules. J'insiste puisque vous êtes nombreux à me poser la question. Alors, oui, dessus c'est marqué que ça nettoie les filtres à particules. D'accord, mais ça. Ça, c'est la partie commerciale et ça, on s'en fout. Nous, on est là pour tester des produits. Alors, je peux vous dire d'ores et déjà que ça ne fonctionne pas. Étant donné que mon FAP était colmaté, que je lui ai mis 1,5 litre d'Eco 10000 dans 30 litres de gasoil, j'ai bien ramonné, etc. Il s'est absolument rien passé.
Donc clairement, ça c'est bien en entretien, c'est bien en préventif. Donc je dirais tous les 10 000 km, ça peut éviter, ça peut aider à la régénération. Mais en aucun cas, c'est un produit qui va venir nettoyer et décolmater votre filtre à particules. Qu'on soit bien d'accord. Première mise au point faite. Vous avez déjà vu une vidéo que j'ai fait également sur ce trafic qui avait également un FAB déjà bien avancé, il y a de ça plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Avec Xenom, on avait fait avec la machine. Mais la machine, certes, elle fonctionne, mais elle n'est pas accessible par tout le monde parce qu'elle coûte cher et qu'on ne peut pas forcément avoir ça à la maison. Du coup, aujourd'hui, on va tester un autre produit de chez Xenom dont je ne connais pas encore l'efficacité puisque je ne l'ai pas testé. Donc, on va le tester ensemble en vidéo. C'est un produit qui va venir s'injecter directement dans le filtre à particules sans démontage. Je vous lis la procédure et comme ça, on va pouvoir en parler après. Xenom DPF Cleaner, alors DPF, c'est pour les FAP, est une bombe aérosol spécialement conçue pour nettoyer rapidement et facilement le FAP. De cette façon, la suie et les cendres et toute autre contamination peuvent être éliminées du FAP sans démontage. Grâce à ce nettoyage, la durée de vie du FAP est prolongée. Donc, en mode de fonctionnement, on a une température de FAP à respecter entre 20 et 40 degrés. On vient démonter la durite de dépression. Donc, si vous vous souvenez à la valise tout à l'heure, on a mesuré une pression différentielle. Je vais vous montrer, il y a un capteur sur tous les FAP. Donc, on débranche la petite durite. On vient raccorder ce petit flexible sur la bombe. On vient passer ça dans le tuyau de cette fameuse durite de pression différentielle. Et on vient vider la bombe, du coup, dans le filtre à particules. Au bout de ce petit tuyau, on a une petite buse qui va permettre de diffuser le produit un petit peu partout au niveau du FAP. Ensuite, on attend 30 minutes que ça agisse. On démarre le véhicule. Ensuite, pour terminer le processus, il y a une phase de roulage. C'est-à-dire qu'on vient monter tranquillement le véhicule en température. Et ensuite, on fait plusieurs minutes à 3000 tours minute pour vraiment continuer à évacuer et donc à déboucher le FAP. Donc là, j'ai un cas parfait pour ce test-là, puisque le FAP est colmaté, vous l'avez vu, vous l'avez vérifié à la valise, on ne peut même pas lancer de régénération. Donc on va voir déjà la première étape, c'est mesurer les informations qu'on avait avant. Donc moi hier, moteur chaud, j'étais à 99 au ralenti et je montais à plus de 500 à peine 1500 tours minute, donc totalement bouché. Donc ça, on va pouvoir le mesurer. On va pouvoir mesurer également si les codes reviennent. On va pouvoir également mesurer la quantité de suie dedans grâce à la valise. Et on va pouvoir dernièrement mesurer et surtout vérifier qu'après cette procédure complète, on puisse lancer correctement une régénération du filtre à particules avec le trafic. Donc les amis, c'est parti, on va lever le véhicule et on va commencer le test du DPF Cleaner de chez Xenom. Allez, c'est parti. Bon, donc là, on se retrouve sous le véhicule au niveau du FAP. Le FAP, il se trouve ici. Donc généralement, vous avez FAP et catalyseur, c'est même toujours le cas. Et vous pouvez avoir soit dans un seul bloc, donc là on sait que le catalyseur est ici, le FAP est ici, sinon vous pouvez avoir deux morceaux séparés. Pourquoi je le sais? Tout simplement parce qu'on a les pressions de FAP qui se trouvent ici, donc avant et après. Enfin, on a la température du FAP et la pression différentielle du filtre à particules. Donc comment ça va se passer? On va venir injecter le produit par l'un de ces deux orifices. Le plus simple étant par le capteur de pression différentielle. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on a une simple durite qu'on peut déconnecter et injecter dedans. Pourquoi je ne passe pas aujourd'hui par ce cas-là? Parce que j'ai un coude à 90 ici et quand je vais passer ma buse, je ne pourrai pas traverser le coude à 90. Ce qui fait que le produit va s'injecter mais va tomber bêtement au fond du FAP et potentiellement va être moins efficace. J'ai ma sonde de température de FAP qui se trouve juste ici qui elle va me donner un accès plus facile, donc je l'ai débloqué, hop. Et là, je vais avoir un accès plus gros, plus large, plus facile à l'intérieur du filtre à particules. Donc là, on voit bien que c'est bien, bien cracra. Et là, je vais pouvoir directement balancer par ici, par la buse, directement dans le filtre à particules. Alors là, j'ai un petit souci, c'est qu'en fait, l'orifice d'entrée est trop petit ici. Je pensais que j'aurais pu passer ça dedans, mais ça passe pas. Donc là, c'est un petit peu embêtant. Du coup, je prends une autre tige, donc je prends une tige comme celle-ci. Et là, celle-ci, elle va rentrer et je vais pouvoir un petit peu l'orienter comme ça pour en balancer partout. On va se débrouiller avec ça. Alors, hop. Donc là, je passe dedans et j'injecte le produit. Voilà, donc là, bon, c'est quand même pratique. Donc là, ça fait comme une mousse hein, dedans qui vient. Donc là, on vide complètement la bouteille. Hein. C'est clairement l'indication indiquée. Alors là, c'est assez pratique honnêtement avec ça. Hein. J'ai quand même l'orientation possible. Donc je pense sincèrement que j'en mets partout et qu'on va pas avoir de problème d'efficacité avec. Donc là après, il faut laisser agir 30 minutes.
Donc là, on va pouvoir remonter la sonde directement dessus. Et d'ailleurs, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre un petit peu de produit sur la sonde, voir un petit peu comment ça se comporte. Donc là, hop. Voilà, j'ai badigeonné la sonde de produit. On va laisser agir un petit peu le temps de vider. Et on va voir si en l'essuyant, ça se nettoie bien. Bon, là, la bouteille est complètement vide. On va vérifier. Donc, chiffon propre sur la sonde, un petit peu. Bon, normalement, c'est 30 minutes. Hein. Là, j'ai attendu. Bon, ça marche plutôt bien. Parce que vous voyez, tout à l'heure, j'ai frotté dessus. S'il n'y a rien qui partait, et là, c'est parti. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, avec le contre-jour, je pense pas. Si je vous la mets comme ça, là, elle est nickel. Elle est impeccable. Il n'y a plus du tout de suie. Donc, ça veut quand même dire que le produit est plutôt assez corrosif sur la suie. Donc, ça peut donner plutôt un bon signe pour la suite du nettoyage. Donc là, je revisse ça et on se retrouve dans 30 minutes pour le démarrage du véhicule et la partie 2. Voilà, à tout à l'heure. Donc là les amis, on a essayé 45 minutes, c'était marqué minima 30 minutes sur le flacon, donc 45 je pense que c'est bien, 50% de plus. Là la prochaine étape ça va être de démarrer le véhicule, donc on met quelque chose pour réceptionner un petit peu la pollution, entre guillemets, qu'on puisse après le mettre en déchetterie. Donc là je prends un bac que je vais placer sous l'échappement et on est censé avoir une mousse un petit peu qui va sortir, mousse qui devrait être plutôt noire vu qu'il est bouché. Et je vais mettre des cartons au cas où que ça soit un petit peu volatile, que je puisse contenir tout ça. Ensuite, quand le gros est parti, on maintient un régime à 2000 tours pendant quelques secondes pour continuer à récupérer un peu de merde. Et ensuite, on part sur la route pour 30 minutes à 3000 tours. Et ensuite, après tout ça, seulement on verra comment se comportent les données à la valise diagnostique. Allez, c'est parti. Donc là, le produit qu'on a mis, qui s'est placé avant le filtre à particules, va venir maintenant traverser le filtre à particules grâce à la pression des gaz d'échappement. Et on va voir un petit peu ce qui va en sortir. Donc là, on va tranquillement accélérer et normalement, on devrait avoir quelque chose qui devrait sortir de l'échappement. Bon, là, on voit très clairement une espèce de fumée qui d'ailleurs pue extrêmement, qui sort. Donc je pense que si je commence à mettre un petit peu de gaz, on devrait, je pense, encore une fois, devoir voir sortir quelques mousses ou produits quelconques. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se placer dehors parce que là, l'odeur est très prenante. Donc vu qu'on est dans un endroit clos, on va essayer de se mettre dehors pour avoir moins de pollution, entre guillemets, au niveau des narines. Donc on va refaire la même chose, mais dehors. Bon, alors on voit que ça fume à bloc, mais visiblement, on n'a pas l'air d'avoir une mousse ou quoi que ce soit qui en sort. Alors je ne sais pas si c'est censé faire une mousse. Hein. Je dis que ça fait une mousse parce que j'ai déjà vu ça sur Internet et que la machine produit une mousse. Maintenant, j'en sais absolument rien si lui, il va produire une mousse ou pas. Ce qui est sûr, c'est que ça produit une forte fumée qui, visiblement, est signe qu'il y a beaucoup de merde qui s'en va. Donc, on va continuer, on va maintenir à 3000. Donc là, j'ai bloqué l'accélérateur et on va le laisser tourner un peu comme ça. Bon, faut pas que les pompiers passent dans la rue, ils vont croire que la bagnole est grave. Effectivement, je pense que le FAP était totalement colmaté. Après une séquence de 3 minutes accélérée à 2500 tours minute, on commence à voir de la liqueur d'échappement qui commence à sortir. Regardez ici, donc là on en a ici. Ça a coulé un petit peu au fond et ça commence à couler sur mon carton. Donc là, je vais remettre le seau dessous et on va continuer à accélérer par séquence de 3 minutes pour pas abîmer la mécanique. On a fini donc la passe 2, là où on fait tourner le moteur au ralenti pour évacuer la fumée, l'eau, etc. Alors j'ai eu que très faiblement d'eau, je vais vous montrer après, qui est sortie de l'échappement.
peut-être signe qu'il est vraiment, vraiment bouché. Par contre, ça a énormément fumé. Donc là, avant d'aller faire la troisième passe, c'est-à-dire l'essai routier pendant 20 minutes à haut régime. Alors, haut régime, c'est 3000 tours recommandés. On va un petit peu analyser les différentes valeurs pour voir ce qu'on avait avant et après. La masse de suie, la pression différentielle, tac. Et là, alors là, là franchement, je suis sur le cul. Là, je suis sur le cul. C'est-à-dire que la masse de suie, elle n'a pas bougé. Alors après, peut-être que le capteur n'est pas non plus terrible pour en prendre considération. Par contre, la pression différentielle, moi, là, hier, j'étais à 100. Donc, FAP chaud, j'étais à 100. Tout à l'heure, on l'a fait FAP froid parce que le FAP avait besoin d'être froid pour injecter le produit. On était aux alentours de 70, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on est à 15 millibars. Franchement, c'est bluffant. Donc, on ne va pas s'arrêter à ça puisqu'on n'a pas terminé le traitement. Donc, on ne peut pas encore juger si c'est que provisoire, si ça a vraiment nettoyé, etc. Donc, pour l'instant, c'est plutôt prometteur. Mais maintenant, on va faire phase 3. On prend la bagnole, on va sur route et on roule 25-30 minutes. Et après, on verra ce que nous dit la valise parce qu'elle, elle nous dit ce qui se passe dans le tuyau d'échappement. Donc, on s'en fout de l'odeur, on s'en fout de la mousse, on s'en fout de la fumée. Nous, on veut, c'est des chiffres. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on part faire l'essai routier. Alors, je pense qu'à mon avis, il va fumer à mort en charge. On va voir ce que ça donne et au niveau du ressenti. Alors déjà, ça n'a rien à voir, c'est que j'ai retrouvé du gaz. Il était bloqué à 2800 tours minute. Donc, je ne pouvais pas accélérer plus. Il était tellement bouché que voilà. Donc, j'espère que ça n'a pas fondu la céramique dedans. Parce que là, on pourra tester tous les produits du monde. Quand la céramique a fondu, c'est mort, c'est poubelle. Mais bon, on va continuer. On va laisser tranquillement la mécanique chauffer. On va monter à 2500-3000 tours minute. On va faire 25 minutes de voiture. Vous voyez, j'ai la valise. Donc là, on va analyser tout ça en roulant et on sera fixé. Bon, les amis, ça y est, on termine notre petit tour. Donc, on a fait un petit 40 minutes, plutôt 35 minutes. À 3000 tours, donc là on va arriver au bâtiment, on va se reposer, on va laisser le ralenti retomber et on va analyser une nouvelle fois les datas pour voir clairement ce que ça nous dit. En termes de comportement, ça n'a plus rien à voir. Déjà, je n'ai plus le voyant moteur, je n'ai plus le voyant rouge qui s'affichait, j'ai plus que mon voyant de vidange, mais ça n'a absolument rien à voir. Et j'ai retrouvé un moteur qui a de la gouache, c'est-à-dire qu'avant j'avais plus rien, je ne pouvais pas dépasser les 3000 tours. Là, on a un moteur qui est de nouveau dynamique. Donc, très clairement, il s'est passé quelque chose. Maintenant, je sais que vous, derrière la caméra, vous ne le savez pas. Donc, on va dire, c'est effet placebo. Donc, maintenant, on va parler données. Donc, les amis, on arrive au garage, on rebranche la valise et on fait un point. Bon, les amis, ça y est, on est de retour au bâtiment. On va analyser maintenant les valeurs. Si vous vous souvenez, la masse de suie dans le filtre à particules, on était entre 0,18 et 0,19 et là on est à 0,1, ce qui signifie qu'on a réduit de 50% la masse de suie dans le filtre à particules. C'est énorme. Au niveau des pressions différentielles, je suis au ralenti moteur chaud, donc dans ces mêmes conditions, moi j'étais à entre 95 et 99. Ce matin, quand on a tourné la vidéo, on était moteur froid, donc filtre à particules froid, on était aux alentours de 70-75. Donc, on va prendre uniquement les valeurs que vous avez vues dans cette vidéo-là. Et également, sur la pression différentielle, on a réduit de 50% l'encrassement. Donc, on peut en déduire que grosso modo, on a d'une débouché le filtre à particules puisqu'on n'a plus de voyant, on a retrouvé de la puissance et qu'on a retrouvé un fonctionnement normal. Et que deux, on a une certitude, c'est qu'on a nettoyé au moins 50% du filtre à particules. Donc là, les résultats sont géniaux. Les amis, c'est officiel, le produit est validé et sera disponible sur notre boutique officielle www.meitelgarage.fr au moment où sortira cette vidéo. Donc maintenant, je vais tester si je peux lancer une régénération du filtre à particules. Voilà. Et preuve que ça a bien débouché mon filtre à particules, c'est que maintenant, la voiture accepte de pouvoir lancer une régénération. Chose qu'elle ne pouvait pas faire avant, elle se mettait en sécurité. On n'avait pas le droit de mettre la régénération du filtre à particules au risque de simplement de rentrer en fusion au niveau du FAP et de tout casser. Donc là, c'est encore la preuve que ça fonctionne. Alors franchement, je suis le premier bluffé parce que je ne pensais pas qu'une bombe comme ça aurait fonctionné. Mais écoutez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On va lancer la régénération. Et les amis, rendez-vous à la fin de cette régénération qui dure à peu près 30 minutes pour voir si oui ou non, on a encore réduit cet encrassement. Allez, à tout à l'heure.
les amis, on se retrouve. La régénération du filtre à particules s'est correctement déroulée, c'est totalement terminé. Donc là, on voit régénération du filtre à particules réussi, éteindre les feux de route ainsi que la ventilation habitacle. Donc ça, c'est la procédure standard. Tac. Et maintenant, on va retourner voir nos valeurs, voir si ça s'est encore amélioré ou pas. Bon, ça sent un peu le chaud là. Hein. Voilà, et regardez, la masse de suie 0,01. C'est-à-dire qu'on a nettoyé 100% du filtre à particules. Rappelez-vous, on était à 0,19. On était à 0,10, donc divisé par 2 après le test. Et après la régénération, on passe à 0,01. En gros, il n'y a plus rien. Ensuite, la pression différentielle du filtre à particules. Rappelez-vous, moi, elle était à 100 au ralenti. Ce matin, quand on a démarré cette vidéo-là, on était aux alentours de 70-75. Après le nettoyage, on était passé à 30 et là, on est passé à 15. Enfin, c'est divisé par 4. C'est impressionnant. Donc là, on a des valeurs d'un filtre à particules qui est neuf. Alors, très clairement, il n'est pas neuf, qu'on soit d'accord. Ça n'a pas remis à neuf notre filtre à particules. Par contre, ça l'a nettoyé et du coup, il a une passabilité des gaz qui est comme neuf. Et là, ce n'est pas un effet placebo. Ce n'est pas des GLB à 10 que. Là, on s'appuie sur des chiffres, sur des valeurs. Et les amis, et ben clairement, winner, on peut clairement dire que ce produit-là marche super bien. Voilà, on est parti d'un système totalement bouché, totalement colmaté, avec des valeurs à l'appui, des codes erreurs et une voiture en sécurité, donc qui n'avait plus de puissance. Et après l'insertion et la procédure parfaite, eh ben on retrouve un véhicule qui fonctionne à merveille. Les amis, j'espère que ce petit test détaillé avec des valeurs à l'appui vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, comme ça vous allez nous suivre au quotidien. Et bien évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, que ce soit test produit, réparation du pépère et plein d'autres choses. Je rappelle que le produit est d'ores et déjà disponible sur notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr parce que le temps que je vais monter cette petite vidéo, le stock va arriver. Et les amis, on est sur un produit qui coûte moins de 35 euros. Donc, 35 euros, regardez un petit peu l'efficacité du produit, il n'y a rien à dire. Et je pensais vraiment pas que le produit allait être si efficace que ça au moment où on a démarré cette vidéo-là. Et bon, bah voilà, hein. Ça vaut pas un démontage avec un nettoyage complet du filtre à particules dans une machine, etc. Sauf que là, on parle de 350 euros hors démontage, hors expédition, hors garantie. Là, on parle de 35 euros et vous avez un résultat qui est… voilà. Les chiffres à l'appui, sans appel. Les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Le lien est en description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao !